Le 17e congrès de l'Association africaine de l'eau anti-ivoirienne, une opportunité pour la Côte d'Ivoire. Le pays, dans son programme de développement, enregistre plusieurs projets d'infrastructures, notamment dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, surtout dans le district d'Abidjan, où de nombreux projets sont en cours d'exécution. La présence des structures existant dans le secteur de l'eau et de l'assainissement à ce 17e congrès était fort remarquable. On note la participation des 28 exposants issus de la Côte d'Ivoire sur les 112 enregistrés à ce congrès. Notre présence ici, c'est d'échanger avec certains partenaires techniques et financiers pour leur proposer notre vision, pour leur proposer notre plan d'action, de sorte à pouvoir avoir des partenariats de financement, de collaboration technique pour pouvoir améliorer le service de l'assainissement au niveau de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous savez que l'un des thèmes de ce congrès, c'est la mobilisation des ressources. Donc c'est à point nommé qu'on peut dire que ce congrès arrive. Nous discutons avec nos clients, nous écoutons les sessions techniques. Une fois qu'ils sont là, ils nous donnent les solutions qu'ils ont décidées et ils trouvent qu'à Abidjan, ils ont la solution idéale. 1200 participants venus des différents pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et des États-Unis prennent part au congrès. Quatre grands thèmes seront abordés: le financement des infrastructures pour le développement durable du secteur de l'eau en Afrique, l'assainissement, l'eau non facturée et les villes du futur. Un accent particulier est mis sur l'assainissement et l'eau non facturée. L'eau non facturée, c'est justement cette eau qui constitue éventuellement le gaspillage, que ce soit au niveau des populations ou que ce soit même au niveau des réseaux. L'assainissement est source de maladies, l'assainissement est source de décès pour beaucoup d'enfants aujourd'hui en Afrique. Et il est nécessaire vraiment de pouvoir faire en sorte à ce qu'on puisse régler ce problème. La Côte d'Ivoire bénéficie du soutien de 40 pays africains. Ces pays, tout comme la Côte d'Ivoire, ayant pour la plupart des problèmes d'accès à l'eau potable et d'accès à un service d'assainissement adéquat, ils sont venus se partager les expériences afin d'améliorer le cadre de vie de leur population, mais surtout profiter des opportunités de financement de leurs projets de développement des infrastructures de l'eau et de l'assainissement.